Azrael est sur le toit de l'Oblivion Bar. Il veut porter le masque ? Il doit le mériter. Alors Harley s'est lancé à la recherche de Batman. Ok. Défie-moi encore, Batman. Je suis prêt. Tu échoues à l'épreuve, et à mes yeux. Apprends de tes erreurs. Ça t'aidera la prochaine fois. Défie-moi encore, Batman. Je suis prêt. Ce défi. Recommence. Concentre-toi. Encore. Tu es un guerrier habile, mais tu devras relever un dernier défi. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Prépare-toi à me voir triompher la prochaine fois. Il est tenace, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous ne semblez toujours pas convaincu. Continuez à rassembler des données, Alfred. Vous serez peut-être intéressé d'apprendre que j'ai fait des recherches sur l'insigne de l'armure d'Azrael. Et il semble porter le sceau de l'ordre sacré de Saint-Dumas. Cet ordre aurait été fondé il y a plusieurs siècles. Il subsiste peu de traces écrites, mais son but était de protéger Gotham. Certains experts pensent qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un mythe. Beau travail, Alfred. Continuez de creuser. Chevalier, qui va commander la milice ?
Oracle, tour de l'horloge sécurisé. Vous êtes reconnecté au central. Super. Bon, on dirait qu'on a perdu un ou deux serveurs. Je devrais être de nouveau en ligne à votre retour. Bon travail. Alfred, je retourne au GCPD. Oracle a peut-être une idée de l'endroit où l'épouvantail retient Jim. Avec un accès aux ordinateurs de la tour de l'horloge, je n'en doute pas, monsieur. Laissez tomber, il vous battra jamais, c'est sûr. Fais attention quand tu voles, Batman. Tu sais jamais quand tu entres dans la ligne de mire de quelqu'un. Le chevalier nous a appris tout ce qu'il faut savoir sur Batman. Ta mort est toujours imminente. Hey, Batman! Comment ça va? Tu crois peut-être que c'est terminé? T'es encore là, après tout ce temps. Parce qu'il le veut bien, Anne. Toute la nuit, tu t'es rapproché de ta mort sans le savoir. Ça changera rien d'arrêter le pouvoir. L'épouvantail court toujours. Il a celui de toi. Et tous nous libérer. T'es là pour nous mettre le nez dedans, c'est ça? Ouais, fais gaffe, mon gars, ton tour viendra. Tu as eu de la chance, Ryder. Merci de m'avoir sauvé. Enfin, j'avais la situation bien en main. Ça faisait partie du plan, tu sais. J'étais en infiltration. La prochaine fois, tu te débrouilles. C'est ça. Si je mourais, à qui tu parlerais? Je te préviens, je ne te sauverai pas une deuxième fois. Quoi, ça? C'est complètement légal. Queen Industries vient de lancer une nouvelle filiale, Q-Core. Je dresse un portrait du propriétaire. Ce type-là est une flèche. Bien sûr. Je t'en enverrai une copie. Bon, Batman, titre de livre. Je pensais à Blackfire au cœur des ténèbres. Les sacrifices humains dans le Gotham du 21e siècle par Jack Ryder. Ou alors simplement Enfer Blanc. J'avais entendu comme un bruit de glace. Génial, vous êtes là. L'hélicoptère de l'épouvantail est parti au nord de la baie. J'ai tenté d'en savoir plus, mais les données sont corrompues. J'ai sous-estimé les dégâts. C'était quoi, ça? Les ennuis. Brave gardien de la paix de Gotham, j'ai un court message pour vous. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas protégé. Batman ne vous sauvera pas. C'est le début de la fin pour ta triste légende, Chevalier Noir. Sans aucun doute. Le bat-ordinateur est de nouveau en ligne. Je ferai de mon mieux. Hors de question qu'ils entrent.
grave. On dirait que tu es récupéré. N'approchez pas! Oh, Batman, c'est toi. Fais attention, mon vieux. J'ai failli t'y tromper. N'en fais pas, Batman. On verra le commissaire. Gardez cette porte. On a tenu jusqu'ici. C'est pas pour mourir maintenant. On va leur montrer de quoi on est capable, je sais PD. Allez! Cash, bouclez le bâtiment. Maintenant! En sachant que je les ferai tous souffrir, sans exception. Cash! Bouclez le bâtiment, maintenant! Et ça, Batouf, elle mort. Ils vont tomber dans le pan... Oh zut! Cash! Bouclez le bâtiment, maintenant! Oh!
cache. C'est le moment d'ouvrir. Je voudrais bien, Batman, mais pas de courant. C'est foutu. Ils vont mettre le bâtiment à sac. Batman, d'après les plans, il y a un générateur près du bâtiment. Foncez! J'ai tout leur espoir en toi, Batou. Ils t'ont fait confiance. Ils ont fermé les yeux à chaque fois que tu as imposé ta propre loi. Et maintenant, ils vont tous mourir par ta faute. Sérieusement, fichons le camp d'ici et laissons-les mourir. De toute façon, je reviendrai pour les massacrer et en toute franchise, ce sera bien plus douloureux pour les gens concernés. Oh, à toi de voir, Batou. Si seulement ce bon vieux Jim était là pour voir ça. Je devrais charger le générateur pour sortir la Batmobile du GCPD. Peur d'espoir dans ce vide de chaos, de désolation. Tu vas me regarder pleurer des grandes lettres, ainsi que tous les lâches qui sont réfugiés entre ces murs. Oracle, le générateur est détruit. Bon sang! Ok. Il y a un générateur de secours dans le parking souterrain, mais il n'est pas allumé. Je m'y rends. On dirait que l'entrée du parking en dessous de vous est ouverte. Vous pouvez accéder au générateur par là. Thank you.
C'est de C4. Les désactiver. Les créateurs, pas les envoyer dans l'espace. Avec. On prend aucun risque. Souvenez-vous, on attaque le bâtiment et on exécute tout le monde. On suit les ordres. Je peux ouvrir ces portes en démarrant le générateur de secours. Oracle, le générateur de secours est en ligne. Bien. On va vous sortir de là. Rendez-vous à la voiture et je... Quoi ? C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il y a ? Une faille de sécurité dans le réseau de la milice. Les idiots. Je pense que je peux pirater leur drone. Bien. Préparez-vous au combat.
Prêt, Oracle. Écoutez. 5. 4. 3. 2. 1. Finissons-en. Je le contourne. Je pirate la cible. Rappeleur, prends. Ok, nouveau piratage. Le drone se positionne sur le flanc. Cible sélectionnée. Je lance le piratage. Batman a détruit un drone. Batman, j'ai un plan pour qu'il explose. Vous n'avez qu'à tirer. Lancement du protocole de contrôle. Cinq. Quatre. Trois. Trois. Finissons-en. Drone est touché. Il est toujours d'attaque. Je lance le piratage. Batman, j'ai armé le tank pour qu'il explose. Vous n'avez qu'à tirer. J'ai presque l'impression d'être sur le terrain. Enfin, presque. Frappe confirmée. Terminé. Je pirate la cible. Batman, j'ai surchargé les cellules du tank. Ça déclenchera une IEM à la fac. Encore un de moins. Je les tire. Dragon HS. Tank sous contrôle. Le drone passe sur le flanc. Drone touché.
dit, on n'est pas paré pour ce genre d'attaque. J'ai des tanks qui explosent, des charges IER. Cible sélectionnée. Je lance le piratage. IEM armée et prête. Tirez sur le tank. Drone détruit. Blindage tient. Je pirate le drone. Queen Rattler, touché. Lancement du protocole de contrôle. Mamba touché. Ok, nouveau piratage. IEM prête à l'emploi. Allez-y. Drone neutralisé. Frappe multiple. Drone HS. Je lance le piratage. Dragon hors ligne. Qu'est-ce qu'il y a? L'épouvantail, il est au studio de cinéma. La voix de mon père vient d'ouvrir un accès là-bas. Accéder aux caméras. J'ai essayé, et je n'arrive pas à joindre Robin. Il était bien là, non? Ne vous en faites pas, Oracle. Je vais voir. Les hélicoptères du GCPD ont repéré un bat symbole en feu au sommet de la Dame de Gotham. Azrael est prêt, monsieur.
encore pour le petit Todd, Batou. Tu devrais être flatté. Si ça avait été le partenaire d'un autre type, je l'aurais tué. Mais les tiens, ils méritent tellement mieux. Je suis prêt à relever ton dernier défi. C'est le plus difficile. Putain, c'est chaud de Night. Seul mon digne successeur peut terminer cette épreuve sans se faire toucher. Reste concentré. Je te félicite, Azrael. Tu as réussi le test. Je te contacterai quand j'aurai pris ma décision. Il n'y a pas de décision à prendre, Batman. Je suis déjà prêt. Je décide de comment ça se passe, pas toi. À chaque instant que tu perds, Gotham sombre un peu plus profondément dans l'abysse. Dépêche-toi de te décider où elle sera perdue à jamais. Monsieur, nous avons établi l'identité d'Azrael. Son véritable nom est Michael Lane. Il était un officier du GCPD avant d'être mis à pied en raison de troubles psychologiques. Ensuite, il semble avoir disparu de la surface du globe. C'est sans doute là qu'il a été recruté par l'ordre de Saint-Dumas. Décidément, c'est de plus en plus étrange, monsieur. Le bat-ordinateur a détecté une anomalie dans la physiologie de Lane. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Envoyez le dossier à la tour de l'horloge. Je l'analyserai là-bas. Très bien, monsieur. Quelque chose cloche dans l'activité neurologique d'Azrael. Je vais à la tour de l'horloge pour l'analyser sur le bas d'ordinateur. C'est peut-être le symptôme d'une maladie, monsieur. Ou quelque chose de pire. Qu'est-ce que tu crois qu'on va trouver dans la cervelle d'Azrael, Batou ? Va savoir. Il y a peut-être un bouffon maléfique là-dedans. Identité confirmée. Je transfère tout de suite les données sur Michael Lane. Je ne suis pas neurologue, monsieur, mais je crois pouvoir affirmer que cette chose ne fait habituellement pas partie d'un cerveau. C'est un microprocesseur implanté par chirurgie pour manipuler son lobe temporal, la région du cerveau qui sert à stocker et accéder aux souvenirs. Quel souvenir, monsieur ? C'est ce qu'on va voir. Azrael, protecteur de la foi, défenseur de la pureté.
L'ordre de Saint-Dumas protège Gotham depuis plus de 500 ans. Et c'est désormais à toi que revient cette tâche sacrée. Pendant des années, tu as étudié le Chevalier Noir, apprenant ses stratégies, analysant ses tactiques, décryptant ses moindres gestes. L'heure est enfin venue d'accomplir ta mission. Retrouve Batman. Prouve que tu es son digne et vaillant successeur. Ce n'est qu'une fois que tu auras gagné la confiance de Batman que tu deviendras enfin maître de ton destin. Ses intentions semblent nobles, monsieur. Pensez-vous que ses souvenirs aient été altérés ? Je le crains. Alfred, j'ai déjà vu ce symbole à Arkham City. C'est le langage sacré de l'ordre. Ils ont implanté des marqueurs dans la mémoire de Lane pour modifier inconsciemment sa conduite. Si je trouve les autres marqueurs, je pourrai recréer la forme d'onde et découvrir le message. Je dois scruter attentivement. Les marqueurs sont cachés dans ses souvenirs. Je n'ai rien trouvé ici. Je dois analyser les marqueurs. Cette analyse n'a rien donné. Je dois trouver les marqueurs. Ils sont la clé qui débloquera le message. Je n'aurai accès au message que quand j'aurai analysé tous les marqueurs. Rien dans cette zone-là. Je dois analyser les marqueurs afin de reconstituer la forme d'onde. Je n'ai rien trouvé ici. Je dois analyser les marqueurs. Cette analyse n'a rien donné. Je dois trouver les marqueurs. Ils sont la clé qui débloquera le message. Je dois scruter attentivement. Les marqueurs sont cachés dans ses souvenirs. Je n'aurai accès au message que quand j'aurai analysé tous les marqueurs. Rien dans cette zone-là. Je dois analyser les marqueurs afin de reconstituer la forme d'onde. Je dois scruter attentivement. Les marqueurs sont cachés dans ses souvenirs. En analysant ce marqueur, j'ai reconstitué une partie de la forme d'onde. Ça marche.
J'ai reconstitué une autre partie de la forme d'onde. J'y suis presque. Il ne doit plus rester qu'un marqueur à analyser. Voilà. La forme d'onde est complète. Je devrais avoir accès au message. Chevalier noir est un obstacle pour notre cause. Il empêche le mal de Gotham d'affronter la véritable justice divine. Quand tu auras fait tes preuves, attends le moment opportun et élimine-le. Prends la place qui t'est due en tant que gardien de Gotham. Un gardien entièrement dévoué qui n'aura de cesse de protéger cette ville. On peut dire qu'ils ne mâchent pas leurs mots, n'est-ce pas, Maître Bruce? Et comment l'arrêter? Oh que non. Lane... Lane est mort. Je suis Azrael, chevalier de l'Ordre de Saint-Dumas. L'Ordre n'a fait que te mentir. Il t'a ôté ton libre arbitre. Menteur, tu fais entrave à la véritable justice. On est du même côté, Michael. Non. Non. Je sais qui je suis. Je sais très bien ce que je fais. Dans ce cas, le choix t'appartient. Protecteur de la foi, tu sais ce que tu as à faire. Le chevalier noir doit mourir. Azrael. Achève ta mission. Tu as pris la bonne décision, Michael. Je n'obéis à personne sauf à Dieu. L'Ordre doit aujourd'hui payer pour ce qu'il m'a fait subir. Batou, espèce de charlot, je ne marche pas. Batou ? Batou ? Meurs, en sachant que je les ferai tous souffrir, sans exception. Ça ne va pas, Batman. Tu te battais mieux avant. C'est le destin, Batman. Tu ne peux pas résister. C'est ce qui arrive quand on s'attaque à les hommes. On perd. Tu n'as pas pu m'arrêter, Batman. Alors, Gotham va tomber. Maître Bruce, j'espérais que ça ne finirait jamais comme ça. J'ai déjà assisté à mes propres funérailles une fois, et je devrais tout me retaper depuis le début. Non, sans façon.